Salut YouTube, c'est Nejan, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de petit déjeuner. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes assez réveillés et en forme pour ce petit déj. Sinon, je vais essayer de vous faire émerger à travers cette vidéo. En tout cas, installez-vous confortablement, prenez un petit déj comme moi. Je vous ai sorti ma petite tasse du matin où je mets normalement du café. Bon là, il n'y a pas du café parce qu'il est 19h et qu'il fait un peu chaud. Je rentre du boulot, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour faire des vidéos. Du coup, c'est vraiment quand je rentre et juste avant la tombée de la nuit. Mais j'aimerais bien en faire le matin hein, si j'avais le temps et que je me levais à 9h et que je bossais pas, je ferai le matin. Bref, petit aparté, on revient à l'essentiel. Du coup, j'écarte ma tasse. Je vais nous prendre le booster de Deoxys. Il est vraiment pas mal. En fait, j'adore le rayon, enfin la boule qu'il est en train de faire dans la main, là. On dirait limite un Rasengan qui va lancer contre Rayquaza. Je trouve ça pas mal. Bon, là, je suis parti dans Naruto, mais on va revenir d'un Pokémon. En tout cas, Ciel Rugissant est une très très bonne série. Je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que je pourrais ouvrir beaucoup de ces boosters pendant un très très long moment, car je les adore. J'espère que c'est aussi votre cas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo. Et je pense qu'on va pouvoir partir à l'ouverture de ce booster. Allez, on y va. Alors, ce booster-ci fait partie toujours du display, ça je vais arrêter de le dire à force. On est au 22e booster, toujours 4 Ultra. Voyons si on va modifier ce quota aujourd'hui ou pas. On va bien voir. Allez, j'aimerais peut-être quand même une holo parce que pour le moment, j'ai vraiment quasiment pas eu d'holo dans le display. Et j'aimerais pouvoir en découvrir, je suis sûr qu'il y en a de très très belles. Alors, la première carte, ce sera un Piafabec en commune. Continuons. Allez, on attaque maintenant avec Goélise. Je vais essayer peut-être d'augmenter la luminosité. Non, il veut pas. Par ici, peut-être. Ah, là, ça a l'air d'être un petit peu mieux. On continue avec Oppermine. Alors, je le prononce un peu à l'anglaise. Hein. C'est ma chérie qui m'a fait qui m'a appris à prononcer ce Pokémon de cette façon-là. Je trouve ça stylé. Et puis, Oppermine, je trouve que ça sonne pas bien. Ensuite, on enchaîne avec Pika. Celui-là, on le revoit très très souvent quand même. Hein. Allez, continuons avec Sepiatop qui a piqué la baie du Miaouss. Alors, au début, je disais des bêtises. Je disais que Miaouss s'était fait tabasser par Sepiatop, alors que non, en fait, si on fait vraiment attention, il s'est pris un jet d'encre dans l'œil gauche, il a dû lâcher sa baie, et Sepiatop en a profité pour s'enfuir avec. En tout cas, c'est la commune que je préfère, et j'espère qu'ils continueront à faire des histoires avec les cartes. Derrière, nous avons Brésillon. Ensuite, le dresseur lien spirituel Latios. Ah, est-ce que ça voudrait dire qu'on aura Latios dans cette vidéo? On va voir. On continue avec une horde de Piafabec qui attaque un noix de coco. En tout cas, il a pas l'air d'avoir peur, au contraire. Il est prêt à se battre. La reverse. Oh, pois chijon comme une reverse. Alors, normalement, je déteste pois chijon parce que ça reste qu'un seul pigeon. Hein, ça reste un putain de pigeon. Mais je l'aime bien parce qu'elle est souriante, elle a la joie de vivre. Et ça me fait vraiment chaud au cœur le matin dans les petits déjeuners en tout cas. Voilà, donc j'espère qu'elle pourrait nous donner une bonne pioche. On va voir la carte qui va suivre. C'est parti. Oh, Mega Gallam X. Non, mais c'est pas possible. Encore une X. Mais c'est quand que je vais avoir une full art? C'est quoi ce display de malade? 5ème X, 5ème Ultra, trop trop bien. Allez, énorme, Mega Gallam X. Bon, alors, ça fait plaisir parce que c'est pas Gallam. Gallam, c'est un Pokémon pour lequel j'ai pas un gros coup de cœur. Surtout qu'on a vu le Gardevoir dans la série juste avant Primoshock. Mais là, Mega Gallam X, elle est pas mal, hein. Elle est pas mal du tout. Et c'est un booster Deoxys qui nous l'a donné. Je l'ai dit dans ma précédente vidéo où apparemment ce serait Deoxys qui serait le booster le plus chanceux. Alors attention, hein. Ça veut pas dire que dans tous les boosters Deoxys on a des ultra rares. Évidemment pas. Mais si on prend un panel de 50 boosters, et ben vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir les ultra rares dans les boosters Deoxys. Et ben pour le moment ça a l'air peut-être de s'avérer vrai, on verra par la suite. Mais je suis content. Une ultra rare, mais un méga, le premier, non j'allais dire une bêtise, j'allais dire premier méga, mais on a eu méga Rayquaza. Donc non, c'est pas ma première méga, mais ça fait quand même très plaisir. Pouh, génial, ça fait plaisir, ça fait très plaisir, j'adore avoir des ultra rares dans cette série, j'adore, cette série me fait revenir un peu dans mes quotas d'avant et ma chance a l'air d'être revenue. Parce que pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, il y a eu un gros mois où j'ai eu une pelle de rares. Et depuis que Ciel Rugissant est sorti, eh ben je nous obtiens plein d'ultra rares. Alors je suis d'accord pour les petits malins qui diraient « Oui mais Nejan, t'as un display, donc il y a forcément des ultras dans un display. » Moi je dis non, pour l'instant je suis à 5 ultras dans le display. Et on peut avoir un display pourri, hein. Il y a Teddy tout fou d'époque qui m'a dit qu'il avait eu 3 ultras dans un de ses displays qu'il avait ouvert. Alors que moi je suis déjà à 5 en 22 boosters.
il en reste 14. Du coup, ça veut peut-être dire qu'on va encore avoir une 6e, une 7e, voire même une 8e ultra. Bon, là, je rêve un petit peu, mais voilà. Bon, on est peut-être à 5 minutes de vidéo, je m'extase parce qu'on a eu une ultra, je vais peut-être m'arrêter là. En tout cas, ça a été un super petit déjeuner, j'ai adoré, et j'espère que ça a aussi été votre cas. Je vous dis à demain pour un nouveau petit déj. Cet après-midi, pour un épisode de Let's Play de Pokémon Ruby Omega, j'espère que vous serez là. Et jusque-là, portez-vous bien, profitez de votre journée, et moi je vous dis à demain. Ciao tout le monde.